Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre comment connecter votre Google Search Console à votre site internet WordPress pour notamment pouvoir déployer des améliorations au niveau du référencement naturel de votre site internet, mais aussi pour contrôler, aussi pour comment dire, voilà, pour optimiser et puis voir s'il y a des bugs pour pouvoir comment dire, soumettre aussi l'index de votre site à Google. En fait, vous allez pouvoir, c'est un outil après, vous allez pouvoir étudier un peu plus en profondeur aussi cet outil où je ferai une autre vidéo, mais là, je vais vous montrer comment connecter votre site internet. Alors, tout simplement, ce que je fais, bon voilà, là, c'est pour, je vais connecter ce site que j'ai fait pour un client. Donc, c'est une, oui, c'est une boutique de. C'est une boutique donc, une boutique de vin d'un propriétaire viticole. Alors, voilà, donc voilà. Ah oui, ouais, voilà, bon, ça c'est une boutique. Je vous montre juste vite fait. Ah, ben alors, évidemment, j'ai mon internet qui est lent. Oui, je suis connecté en Wi-Fi en fait avec mon ordinateur là et ça c'est un peu lent. Bon. Donc voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais vous montrer juste un peu la tête du site. D'ailleurs, si vous voulez commander du vin de Gaillac, voilà, vous pouvez y aller. Bon, voilà, donc ça c'est la boutique, le site internet que je lui ai fait. Et donc je veux vous connecter, donc, alors vous allez voir. Je vais revenir juste un peu en arrière. Alors pour ce client, là j'ai pas installé Yoast SEO, j'ai installé Rank Math. C'est une extension SEO qui grimpe, qui prend de plus en plus qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est très intéressante. Donc je m'amuse à tester l'un et l'autre en fonction des sites internet. Donc ce que je vais faire ici, vous allez voir, je vais activer Rank Math. Donc, il va me demander de me connecter à. Alors, il me dit. Bon, il me demande si je suis Serge Jérôme. Je vais dire oui. Voilà. Donc, là, lancer l'assistant. Alors, données d'entrée redirection. Pourquoi il me met ça? Portée redirection. Oh, pardon, il y a la vidéo qui s'est lancée toute seule. Lancer. Alors, importer les réglages. Non, ignorer. Bon, on va mettre ignorer. Donc ici. Bon, ça, on va le laisser, hein. On va laisser ça pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà. Donc, c'est la Search Console. Vous voyez, il va falloir le code ici. Alors, bon, tout simplement, ce que je vais faire, je vais taper Search Console. Alors, Search Console Google sur le moteur de recherche. Donc, vous l'avez là-haut. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, juste un petit peu de patience parce que j'ai mon réseau qui est un petit peu. Lui qui a attrapé le virus. Alors, voilà. Donc, alors, ce que je vais faire. Alors, je vais rentrer. Je vais copier le nom de domaine. De ici. Alors je vérifie que je l'ai pas déjà créé. Non. Alors donc bon moi j'ai déjà un compte qui est créé sur la Google Search Console où j'ai plusieurs sites internet. Vous je vous conseille à partir de votre adresse email de créer aussi votre compte. Et ensuite une fois que vous êtes dans la Google Search Console, vous allez sur Ajouter la propriété. Vous allez sur cet endroit ici. Voilà. Vous allez ici. Voilà, vous faites continuer.
Là, il va demander de valider la propriété. Et il va nous demander quelque chose de bien spécifique. Alors, vous allez voir. Alors, en attendant, je vais me connecter à FileZilla parce qu'il va me demander. Voilà. Alors, je me connecte à FileZilla. Donc, alors, ça, je le ferme pour l'instant. Alors, je vais aller sur domaine source, connexion. Donc là. Alors il faut attendre un petit peu. Voilà. Alors voyez, donc là j'ai mon FTP qui est apparu. Alors je vais dans le dossier de ce site, je clique dans 3WP. Voilà, et j'arrive à ce niveau-là. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va télécharger ce fichier. Il nous dit télécharger ce fichier. Alors après, il nous dit et importer le fichier dans tatatac. Bon. Alors, donc, je vais télécharger. Voilà, voyez, il se met tout en bas. Ensuite, je le mets sur le bureau. Et je vais aller tout simplement. Alors, je vais vous dire, il va vous dire, souvent, il dit que ça, c'est pas bon. Il dit que c'est pas bon parce qu'en fait, Google ne synchronise pas, la Search Console ne se synchronise pas de suite avec le dépôt de fichier. Alors, vous allez voir, je dépose le fichier, j'ai fait un copier, un déplacement. Hein. Alors là, voilà, vous voyez, le fichier est là. Donc, l'idée, c'est de le placer là et d'attendre un petit peu et puis de valider. Parce que si vous validez, il y a de fortes chances que là, ils vous disent que c'est pas bon. Alors, on va voir. Des fois, ça le prend, mais la plupart du temps, ça ne le prend pas. Ah, ben là, c'est bon. Là, ça l'a pris. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Méthode de validation. Donc, là, vous confirmez que vous êtes le propriétaire du site. Et maintenant, de ce fait, ben, vous allez pouvoir gérer votre site sur la Google Search Console. Alors, pour conserver votre statut de propriétaire confirmé, ne supprimez pas le fichier de validation pour éviter de perdre la validation. Vous pouvez ajouter plusieurs méthodes de validation à partir de la page paramètres validation de la propriété. Alors, accéder à la propriété. Donc là, il nous dit que l'indexation orientée mobile a été activée sur votre site. Donc, voyez, l'avantage d'aller sur la Google Search Console, c'est que ça peut. Ah non, ça a été activé à date d'activation. Ah oui, l'indexation orientée mobile a été activée sur votre site, d'accord. Et ça, c'était une activation qui avait été mise en place par Google pour la généralité des sites. C'était une fonctionnalité qui était arrivée en mai 2018, mais là, Google va le faire pour mon site plus précisément. Donc ici, je vais aller dans Paramètres. Toc toc toc. Alors voilà. Alors là, je vais copier ici. Donc, vous voyez, je suis allé dans Paramètres, je suis allé dans Balise HTML, je fais copier ici et je vais retourner sur mon site. Pardon. Alors, autoriser, Search Console. Alors, attendez. Je ne sais pas si j'ai mis le bon. Ah non, c'est peut-être pas ça. Alors, il faut que je mette. Toc, 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 toc. Alors, il faut que je me trouve. Alors, je suis en train de chercher où est-ce que j'ai. Alors je cherche le fichier. Normalement c'est là, hein, normalement. Gérer la liste des utilisateurs de propriété. Tac tac tac. Alors utilisateur et. Alors gérer les propriétés. Alors j'essaie d'aller voir. Non, là c'est bon.
Alors, je voudrais juste me récupérer. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le retrouver là. Alors, utilisateur et non, ça ok. Validation de propriété, ok. Bon. Alors, pourquoi il s'est pas connecté? Alors, bon, ce que j'ai fait, là, je fais obtenir le code d'autorisation. Donc, je m'en vais me connecter ici. Alors, normalement, d'habitude, je fais un copier-coller. Là, ça ne me le prend pas. J'ai peut-être pas fait le bon. Alors, attendez, peut-être que... code. Je vais prendre ce code-là. Juste le code ici. Voilà. Alors, j'enlève le ça. Autoriser. Non, il ne me l'a pas reconnu. Bon, alors je vais aller sur ici. Donc je double-clique. Donc là, je fais autoriser. Copier le code. Donc là, vous faites copier le code. Z. Ah oui, c'est pas le même. Copier. Et là, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Vous voyez? Donc là, il a autorisé. Et après, là, il me demande si c'est bien ce site. Oui, donc c'est bien celui-là. Et là, je fais enregistrer et continuer. Voilà. Plein du site. On, on, on. Bon, là, je vais mettre catégorie de produits. Voilà. Taxi monnaie publique, catégorie de produits. Portfolio, produits, articles, produits, pages. Bon, on va laisser ça comme ça. On, plein du site, hein. On, le site MyMap, tac tac tac, HIGV, ajustement SEO, bon ça on va le laisser par défaut, on ne s'embête pas au départ, on va faire le plus simple. Donc là il me dit que, est-ce que je fais les mises à jour automatiques, vaut mieux les faire manuellement, c'est plus prudent. Vous voyez là j'ai un score de 82 sur 100, il me dit. Alors, ici, je fais configuration des options avancées. On va voir juste par curiosité. Donc, éditeur, administrateur. Voilà, vous voyez, vous avez tout un tas de trucs hyper intéressants. Mais bon, là, je mets juste c'est pour vous montrer. Définir valeur par défaut pour le menu de direction. Enregistrer et continuer. On va juste faire ça. Ça, enregistrer et continuer. Ça, vous pouvez le faire plus tard, hein, les améliorations à ce niveau-là. Et voilà. Donc, ici. Donc, voilà, vous avez ça. Alors, ce que je peux faire ici. Vous voyez, je suis allé sur réglages. Je suis allé sur le sitemap, en fait. Alors, votre sitemap a été trouvé. Donc, vous voyez, je clique sur le sitemap ici. J'ai l'adresse ici. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ça ici. Comme ça, tant qu'à y faire, tant qu'à y être, je vais vous montrer comment le faire. Vous allez dans Sitemap, dans l'arborescence ici à gauche, et vous saisissez juste la dernière partie, juste après le dernier slash. Donc, Sitemap, petit-index.xml, et vous faites envoyer. Comme ça, vous soumettez toute l'arborescence. Tiens. Alors, post sitemap.index. Simple du site, post sitemap.index. Alors là, il ne me l'a pas pris. Alors normalement, il devrait le prendre. Je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas pris. Toc toc toc, sitemap ajouter. Donc là, il m'a pas pris le sitemap. Sitemap. Je sais pas pourquoi. Ah, il faudra que je regarde. Très régulièrement pour chercher les modifications. Alors attendez, je vais cliquer dessus. Impossible de le lire. Dernière lecture, URL découverte, aucune. Alors, couverture.
Tac. Alors là, ouais. J'inspectionne de l'URL. Donc là, il ne me l'a pas trouvé. Mais bon, je sais pas, je vais regarder pourquoi. Mais sinon, quand... Alors attendez, je vais vous montrer. Bon, par exemple, hier, j'ai mis le sitemap ici. Vous voyez, ici, voilà. J'ai mis le sitemap de... Pour ce site-là, vous voyez, il m'a retrouvé les URL ici. Et là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le trouver. Ces pages sitemap. Attendez, je vais me copier ça. Donc, je vais me remettre ici. Domaine Saint-Laurent. Page. Peut-être qu'il y avait une erreur. Attendez, je vais faire envoyer. Ah non, là il me le prend pas non plus. Page domaine Saint-Laurent. Alors je sais pas pourquoi il me le prend pas. Bon, peut-être il y a un bug, hein. Peut-être qu'il faudra que je quitte, que je revienne. Peut-être qu'il y a un petit bug. Voilà, en fait, mais normalement ça devrait marcher pour vous. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Des fois, il y a des petits bugs, donc il faut quitter et puis revenir comme ça. Mais mon sitemap, il est bien là. Alors, attendez, on va voir. Image à la une. Modifier les moteurs de recherche. Alors, attendez, je vais voir. Lien. Vers le nombre de maximum de liens sur chaque page de sitemap. Alors, je vais revenir sur paramètres du sitemap. Peut-être il y a quelque chose que j'ai pas vu. En apprendre plus. Combien image à la une les sitemaps. Exclure. Non. Exclure les termes. Bon. Post, image, page, sitemap. Alors, je vais peut-être lui mettre ça. On va faire une dernière tentative. Page. Ah là, c'est bon. Ah oui, donc. Oui, alors, c'est parce que, vous voyez, sur Hangmat, faut, moi j'ai pris celui-là, là. Mais en fait, il faut prendre. Sur toutes les pages, voilà, sur toutes les pages. Vous voyez, j'ai pris ici ce nom de domaine là. En fait, j'ai pris ce petit bout là, vous voyez. Et donc voilà. Et après, c'est vrai qu'on peut ajouter aussi le sitemap des produits. Par exemple, vous allez voir. Mais du coup, on en profite, hein. Du coup, on en profite. On va prendre un copier. Vous voyez, je fais un copier. Donc je vais rajouter ici product. Hop. Ah non, il n'a pas pris. Il me l'a pas pris. Bon. Bon, en tout cas, il m'a pris le principal, il m'a pris les pages. Voilà. Donc, opération effectuée. Et là, vous voyez, 18 pages, il a retrouvé 18 pages. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Mais voyez, donc, ça demande un petit peu de temps pour regarder. Bon, des fois, il y a des petits. Voilà, c'était moi qui n'avais pas fait ce qu'il fallait. J'avais pas rentré la bonne adresse. Ah, mais si, pourtant, c'était la bonne page. Ah non, j'avais pas rentré la bonne. J'avais mis produit, produit. Ah ouais, c'était pas les bonnes. Vous voyez? Donc, ici, je clique. Alors là, je fais supprimer, vous voyez ici. Ah, mais si, ça y est, regardez, elles sont bonnes. Ah, ben, il est coquin. Hein. Vous voyez, produit, page, c'est bon. Vous voyez, en fait, elles sont bonnes, non? Alors, celui-là, pour le supprimer, voilà, je vais là, je clique là, je fais supprimer. Ici. Non, celui-là, je vais supprimer ça. Tout ce qui est rouge, je le supprime. Bon. Voilà.
Opération effectuée. Là, on est bon. Impeccable. Vous voyez, ben, en fait, ça y est, c'est bon. Ça y est, mon sitemap est bon. Toc, toc, j'ai index. Alors, attendez, si je clique dessus, je clique sur les URL, là, c'est bon. Products, vous voyez, là, il m'a mis les products. Alors, par exemple, ben, attendez, on va aller juste un peu plus loin ensemble. Si je veux qu'il me sitemap les catégories, par exemple. Bon, c'est pas la peine. Donc voilà. Mais voilà. Écoutez, je pense que là, vous avez vu le principal. Et comme ça, maintenant, voilà, mon site est connecté. Et après, ben, on peut. Déjà, c'est bien de faire l'indexation via la Search Console. Ça permet de donner plus de moyens à Google, au robot de Google, d'analyser, de faire passer les robots d'analyse, les crawlers sur votre site internet. C'est un accélérateur, en fait. Donc voilà, c'est très très bien de le faire. C'est même mieux. Voilà, moi c'est ce que je conseillais au début. Si vous voulez accélérer votre référencement naturel, c'est de faire une indexation de cette façon-là. Voilà. Parce que ça se fait naturellement, mais c'est un peu plus long. Alors que si vous le faites par la Search Console, ça va plus vite. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez poser certaines questions en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous aurez d'autres contenus sur le référencement naturel, des tutos pour WordPress. Ou sur le graphisme aussi, puisque voilà, je suis et webmaster, créateur de site internet et référenceur et aussi graphiste, mon premier métier. Dans le lien de la description, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez des liens. Vous pouvez vous inscrire à une formation offerte de référencement naturel si ça vous intéresse. Et voilà, donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye!